Certains sont venus de loin pour recevoir cette traditionnelle bénédiction. Qui sait? Plusieurs motocyclistes se sentent vulnérables sur les routes. Et juste ce matin, quand on est parti de Berthierville, mon conjoint a failli se faire ramasser. On a un véhicule qui s'en venait, puis on a failli se faire ramasser. Là. Les motocyclistes sont encore nombreux à perdre la vie dans les tragédies routières. L'année dernière, 49 d'entre eux sont morts, 1900 autres ont été blessés. Même si le nombre de victimes a baissé en un an, l'assurance automobile du Québec a tout de même prévu augmenter les frais d'immatriculation l'an prochain. La SAAQ se base sur l'augmentation du nombre d'accidentés en 2016, comparativement à 2014, une mesure injuste selon plusieurs. Ben oui, on paye cher de plaques pour rien, là, comparé à une voiture sport qui va payer 125$ de plaques, tandis que nous autres, on paye 585$, puis on n'a même pas 8 mois par année de beau temps. C'est insultant, là. Pour une moto régulière, l'augmentation prévue sera de 80$. Pour une moto jugée à risque, on parle plutôt d'une augmentation de 325$, soit près de 25%. Il y a le principe que chaque catégorie d'usagers doit payer en contribution, ce qu'elle coûte en indemnisation. Donc, il y a un ratio de fait là, en fonction du nombre de victimes et de la gravité des blessures. Ce motocycliste victime d'un accident de la route est un de ceux qui touche des indemnisations de la SAAQ. Ça fait 2 ans de ça, puis je ne marche pas comme il faut encore. Mais avec les assurances qu'on paye à travers nos plaques, puis ça, là, ça m'a aidé, ça aide le monde comme moi. Mais, comme je dis, trop, c'est trop. Les organisateurs du rassemblement préféreraient que Québec sensibilise davantage les usagers de la route à l'importance de partager la route de façon sécuritaire. Nous sommes très vulnérables et ce qu'on demande justement à la SAAQ, c'est de faire en sorte de mieux éduquer parce que dans les dernières années, il y a eu peu de mouvements, il y a eu peu d'activités qui ont fait en sorte pour nous, pour nous rendre, nous, les motocyclistes, beaucoup plus sécuritaires. Une approche, croit-il, qui pourrait faire diminuer le nombre de tragédies routières. Ici Camille Carpentier, Radio-Canada, Trois-Rivières.